mon rouleau. C'est au premier qui trouvera les sangliers. Là, tu peux pas te permettre d'avoir un truc à peu près. C'est pas possible. Si on veut avoir des gros animaux et des vieux mâles en quelques années, il faut les laisser tranquilles. Michel, il veut tirer, moi je veux pas. Purée, il y a les sangliers là-haut qui sont en train de sortir là-haut derrière le bois de tram. Dépêche-toi, t'es vite. Remets-toi en position, il y en a d'autres. Mais il faut que tu tires maintenant, tu pourras plus tirer après. Après 2 heures de voiture, on vient d'arriver à la cabane de chasse où on va rester pendant 2 jours avec Amaury et Christophe. Ben là c'est grand luxe, là. 4 étoiles, on va être bien, une petite terrasse pour la sieste. Ouais, sympa cette petite cabane. On va être au top du top. T'as peur d'avoir soif, Christophe? Un peu, hein. Une petite bouteille pour une grosse journée. Ouais, j'aurais, ces petites pommes là qu'on voit là. Ouais. Il y a des pommes, il y a des noix. Il y a des baies, ils ont, mais c'est... Il y a vraiment beaucoup de nourriture, hein. Il manque de rien, quoi. C'est impressionnant. Ça se voit, d'ailleurs. Ils font que manger toute la journée et ils se nourrissent. C'est le paradis des sangliers. Ah ouais, là, ils peuvent pas trouver mieux, là. Des buissons, des épines noires. C'est royal, là. Malheureusement, un petit mal, pas de dents. On s'en va, on va aller voir. On va te prospecter un peu plus loin. Ouais, c'est pas de chance, hein, mais bon, écoute, on va... Comme tu dis, on va aller voir un peu plus loin. Là, c'est plus que trafiqué. Alors, on voit, hein, c'est défoncé. Ouais. Même si on les voit pas, on sait qu'ils sont là. Ouais. Dans un long, dans un autre. Et c'est vrai que c'est toujours encourageant parce qu'il y a toujours du trafic, des traces, tout partout, monde. Partout. À tout le monde. Si on veut revenir l'année prochaine et en avoir des gros, faut pas tirer ça. C'est un petit mal celui-là, Michel. C'est un petit mal, celui de gauche, pas dessous. Ah ouais, à gauche, sous le petit. Il y a la femelle qui sort, regarde. Ouais, j'avoue, ouais. Michel, il veut tirer, moi je veux pas. Si on veut avoir des gros animaux et des vieux mâles dans quelques années, il faut les laisser tranquilles. Il faut pas tirer ce genre d'animaux. Enfin, c'est un mâle de 3 ans. Effectivement, il a des dents comme ça. En cours de fabrication, c'est pas terminé. Vous laissez encore grandir et surtout vieillir. Tony est très sage. Moi, je serais tout seul, je serais plutôt moins sage. Mais là, ouais. Et, bien sûr qu'on peut tirer avec Michel, mais y a rien qui est interdit ici. Surtout que des sangliers, y en a beaucoup. Si on tire ce jeune mâle, ce sera jamais un grand trophée. Et tu viens ici pourquoi? Donc il faut le laisser. Faut pas tirer cet animal. Mâle, 2 femelles, et là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le code de 19, je vais passer à la montre. On descend dans la vallée et puis il y a Amaury qui nous appelle. Il a vu des sangliers juste en dessous de nous. Donc on va quand même aller contrôler, hein, Christophe. Je pense que ça vaut le coup. Ouais. On n'a pas vu grand chose ce soir. La nuit va vite tomber, donc on va s'avancer voir ces 3 sangliers des fois qu'il y a un mâle. Allez. Les sangliers, ils sont là. Oh, y a un mâle. On va se mettre en position là. Entre les buissons. Wow. Christophe, il y a 300 mètres. T'auras pas beaucoup de temps pour tirer. Écoute, calcule pas. Dès qu'il se met en travers, tu tires. Il va se coucher tout seul dans un travers plein sud. Parce qu'il a eu un mois de rut. Et donc, il rejoint les femelles la nuit. Donc là, c'est sûr et certain qu'il y a un mâle qui est pas loin. Quand la compagnie elle va se déplacer, je mettrai pas ma main à couper, mais presque, qu'il y a un mâle qui va sortir pas loin et poursuivre. La compagnie partira. Tiens, il y en a un qui sort là-bas dans l'arène.
patience, elle a été bonne. Attends, attends, attends. Arme ta carabine. Tu peux y aller quand tu veux. Prends la carabine, viens, Michel. Bouge-toi. Attrape la carabine. Dépêche-toi, viens vite. Oh, écoute, il se met en travers, quand tu veux, Christophe. Il a pris, il tourne en rond, il tourne sur lui. Oh, écoute, Christophe, je pense qu'il y est. La balle, elle est un peu derrière. Mais il est parti, il saignait beaucoup, il est parti doucement. Vu comme il a tourné sur place, ouais, il est rentré dans le bois. Il a suivi les autres. On va se dépêcher, il n'a pas ressorti du bois. On va essayer de voir si on le trouve avant la nuit. Bienvenue au Tadjikistan. Premier jour de chasse, première soirée. Un très beau sanglier pour commencer la semaine avec Christophe. Donc une semaine qui s'annonce bien. Des belles chasses, des animaux. Et il faut rester patient jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce qu'il faut y croire jusqu'au bout. Et sur le chemin du retour, comme quoi, tout peut arriver. Quoi. Là, super. Je te rends les honneurs pour ton sanglier. Ben, super. Merci beaucoup. Merci d'être venu au Tadjikistan. Quelle bande de con. Ça t'est chier. Qu'est-ce que t'as fait, gros? Hein, Michel? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et tu m'as dit que. Quel sanglier que je vais tuer. Putain, tu m'as foutu la pression. En fait, on vient de faire croire à Michel que le sanglier était parti. Donc, on lui a donné la carabine et on est parti en courant. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part en courant derrière nous. Qui a rien à voir, Michel. Voilà, là. Titi, ouais, tu vois, il arrive pas à le bouger de 5 cm, c'est qu'il fait plus de 200 kg. Ça, tu es dingue. Voilà, ça c'est 200 kg, Michel. Oh putain. Allez, attrape-le par la patte là-bas, on va voir si on peut y réussir. Hein. Allez, Adine, ne va. Allez, attends. Adine, va. Piti. Il faut y aller à la montagne, il faut y aller des dizaines de fois pour en prélever un. Ici, ça n'a rien à voir. Et... Ce matin avec Narous et Michel, on est venu chercher en fait tous les travers qui étaient à l'Ubac. Parce que il fait vraiment tellement chaud que ben, ces animaux, tout simplement, ben, ils cherchent l'ombre et puis la fraîcheur. Et on a fait vraiment le bon choix. Et on a la chance de tirer ce matin un sanglier là qui est dingue. Qui est simplement dingue. Michel, je te rends les honneurs pour ce sanglier. Merci beaucoup, Anto. On my side. Et Tadjikistan, Bapesh. On a attendu toute la journée là, sur cette arête. On a traversé la vallée pour être reposé là où il y avait des animaux. Il est malheureusement trop jeune, ce sanglier. Il y en a où c'est une compagnie qui est en face. La compagnie qui est en face, la pile dans le pré. Il est trop jeune. Par contre, celui de l'autre côté... Celle qui est là en face. Ouh, là, il y a un monstre. Petite chasse avec Amaury, on s'est séparé de Christophe. Tout le monde au boulot. Et c'est au premier qui trouvera les sangliers. Pour le moment, on n'a pas vu d'animaux, mais bon, écoute. J'espère que ça va venir, hein, Amaury. Ouais, on croise les doigts. Il y a pas mal de trafic, donc je pense que si on fait bien chauffer les jumelles, on ne devrait pas tarder à les voir. Et regarde, il y a une compagnie de sangliers.
un gros mâle, ouais. Il y a un gros mâle qui suit les femelles, là, regarde un petit peu. On va essayer de s'approcher, ils sont juste en face. Au moins un très grand mâle dedans. Allez, on perd pas de temps, on y va. Allez. Michel, c'est comme tu veux. Sois bien calé. Hein. L'avant-dernier, non, trop tard. Je vois. Celui de gauche, le plus à gauche, trop tard. Trop tard. Il est passé. Il y en a un autre derrière, non ? Il y en a un autre derrière, c'est un mâle. Ok. Il y a 260 mètres. Pour le moment, tu peux pas le tirer, mais dès qu'il s'arrête, qu'il sort, ben là, tu vas peut-être pouvoir le tirer. S'il avance un peu, je pense que tu peux le tirer. Tu l'as, non ? Ouais, je le vois, il se décale un peu à gauche. Là. Il est dans les branches, il faudra que tu tires que quand il se met de travers. Hein. Ok, ouais. Bon, écoute, tu peux tirer. Il est resté sur place, super balle. Il est coffré, Michel. Incroyable, il descend la pente. Il a l'air d'y être. Mais c'est dingue. La carabine est parfaitement réglée, quoi. Et je comprends que tu travailles avec Gilles Fanter. Je comprends maintenant parce que là, c'est obligatoire. Tu peux pas te permettre. On peut pas faire avec nous. Moi, j'ai la même arme que toi, mais je peux pas faire ça, la mienne. Parce que je parle au type et puis c'est pas réglé comme ça, quoi. Mais tu sais que t'es dedans, quoi. Alors quand la tienne avec un pistolet sur les lunettes, elle est impressionnante, quoi. Franchement, elle est impressionnante. La combinaison est parfaite, quoi. Puis la munition marche, quoi. Alors là, par contre, je te cache pas que je suis surpris. Tu m'as mis 34 ou 37 kg, je sais plus combien t'as mis. Et là, moi, je, à une vitesse, honnêtement, je sais pas ce que t'avais fait. Et puis je me suis concentré, j'ai tiré exactement comme tu m'as dit. Et ça a marché, quoi. Ça a marché. Extraordinaire. Génial. Ah, c'est fantastique. Puis quel pays. Bravo Michel. Franchement top. Hein. Merci. Bravo à tous les deux, à Naouf et à Anto. Officiellement, Michel, le tir le plus loin que tu as jamais fait. 504 mètres exactement. 504 mètres. 504, 505. Ouais. Ah, je le voyais à peine. Je le voyais bien, mais... De trop carrière, j'ai pas eu le choix. Remets-toi en position, il y en a d'autres. Écoute, il y a 400 mètres, Amaury. Ok, je mets ma tourelle. C'est le dernier de la compagnie. J'ai du mal à le voir, il est dans les branches, là. Il est où ? Et il va passer dans la petite éclaircie. Tu la vois, cette petite éclaircie ? Ouais, je la vois. Écoute, mets-toi là. Il va s'arrêter, là. Il est dans les branches, mais il faut que tu tires maintenant. Tu pourras plus tirer après. Il y en a un qui monte dans le découvert, le gros il est derrière. Suis-le, essaye de le suivre dans les branches. Il continue à monter derrière les autres. Et il va repasser en haut dans l'éclaircie. Ah, il monte dessus avec les autres, Amaury. Essaye de le suivre dans le bois. Il est dans le sale. Il monte. Il revient à gauche derrière la compagnie. Ils vont passer à gauche là, il y a un autre découvert, ils vont passer à gauche. Tu vois petit, les petits passer à gauche. Il faut que tu l'attendes par là. Hop, ils vont passer les autres là, il faut que tu l'attendes là. Il a pris du retard sur les autres. Il va arriver là. Ah ouais, je le vois. Je le vois derrière les branches.
Écoute, prépare-toi à le tirer. Quand il va passer dans l'éclaircie, il va falloir que tu le tires, t'auras pas beaucoup de temps. Il est dans les branches, là, et tu le vois? Ouais, je le vois. Écoute, il faut que tu tires. D'accord. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Putain, les balles sont... Il est mort, il est mort. Reste là, il est mort. Il roule, il roule. Ah, je le vois. Ah, il est mort. Putain. Bravo Amo, super, joli doublé. Incroyable. Oh, et ce premier sanglier qui est là avec les autres, et la deuxième compagnie qui nous surprend, qui était là dans le trou, on les avait pas vus. Bah, écoute, tu fais un doublé de deux sangliers monstrueux, c'est le doublé d'une vie. Ils ont l'air d'être sacrément gros. Ouais, ils sont très armés. Ouais. Amaury. Oh, merci Guillaume, sacré guide. Merci au guide. C'est cette chasse incroyable qu'on a fait. Incroyable. Écoute, on est venu pour tirer un sanglier, mais finalement on en tire deux. Ici par contre, il sera assez compliqué à aller chercher parce qu'il va falloir traverser le canyon. Monter mais dans les ronciers, là. Écoute, c'est pas grave, t'as fait un doublé extraordinaire de deux grands sangliers. Merci à toi Guillaume. Bravo Amaury. Merci. Purée, il y a les sangliers là-haut qui sont en train de sortir là-haut derrière le bois de tram. Mets-toi en position, mets-toi en position. Viens là, prends la carabine, prends la carabine, prends la carabine. Viens là. Je suis derrière là. Tu peux le tirer celui-là, c'est un mâle. Il y est. Bouge pas. Attends, il est... c'est fini. Quoi? Il est mort. Tu rigoles quoi? Je suis reparti. Regarde-le quoi. T'as vu ça? Allez, bam. Bravo les garçons. Sacrée équipe. Hein. Super, super. Merci. Merci à toi. Je suis pas content, mais c'est une fou, c'est un pays incroyable. Incroyable. Je l'ai vu le premier jour, que c'était magnifique. Si on croit que c'est facile, mais c'est dur, c'est dur à voir, ils sont compliqués à voir. Quoi. Et le problème, c'est qu'il faut tirer très, 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 très loin. Et là, tu peux pas te permettre d'avoir un truc à peu près, c'est pas possible. Quoi. Là, c'est inimaginable, quoi. Parce que le tir était compliqué. Il était 2-3 quarts. Si le calage... Tu n'as pas tes trois points d'appui et puis tu ne tiens pas ta crosse par derrière comme si tu faisais du tir sportif. Tu ne peux pas faire un tir précis à une distance de plus de 250 mètres. Le Tadjikistan. T'es le meilleur, Anto. Non. T'es le meilleur. Mais tu vois comme quoi on en apprend tous les jours et le fait d'avoir remis les bases et que Michel, il est bien intégré et qu'il a appliqué à la lettre tout ce dont on a parlé, ça a permis aujourd'hui de faire un doublé d'Attila simplement incroyable à 264 mètres et 505 mètres. Michel, bravo. Et ouais. Très grande chance aujourd'hui, un gros doublé de sanglier. Bravo à toi, Amaury. Félicitations. Merci à toi, guide qui me trouve les sangliers, qui m'apporte à la bonne portée de tir. Et on a pu prélever ce deuxième grand sanglier qui me tarde d'aller voir parce que je pense qu'il est aussi gros que celui-là, qui est déjà monstrueux. Il est énorme. En tout cas, bravo, Amaury, journée d'exception. Merci, Guy. Merci à toi. Ça fait plaisir d'être avec toi ici. Eh ouais. Oh, des belles bêtes, des belles montagnes. Tout de quoi faire rêver, franchement. Un beau voyage, hein. Beau voyage, ouais. Exceptionnel. Il doit être bien vieux, là. On vient d'arriver sur le deuxième sanglier de l'après-midi, là. Deux gros monstres, hein. Moi, je tiens à remercier Guillaume, quand même. Doublé exceptionnel, le doublé d'une vie, comme on en fait qu'une fois dans une vie. Super. Merci Guillaume. Eh ben, écoute, de rien Maurice, ça a été avec grand plaisir. Merci. Non, comment? Maman? Maman. Maman? Maman. Maman. Non, maman, non. Maman. Maman. Petit, c'est maman. Oui, maman, tu passes une maman. Sacré maman, mais... Ah oui! Maman, petit, 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 ah oui, petit! Ça paraît rien, mais 264 mètres. Et un animal qui était en mouvement, Michel. Un animal qui était en mouvement, oui. Oui, oui, parce qu'il marchait et il ne s'est jamais arrêté. Si ça, c'est pas beau sanglier, Anthony, qu'est-ce que c'est, quoi?
Narousse qui me disait que c'était une maman. Hein? Il voulait me mettre la pression que j'avais tiré une maman. Moi, ça fait des années que j'espérais venir avec toi en tirant dans Tadjikistan. Bon, j'étais motivé parce que je savais que j'étais avec le meilleur, ça je le savais. Mais là, franchement, c'est que j'étais venu chercher. Mais... Et c'est pas fini. Tu as remarqué la balle, j'ai écouté des conseils. Hein. Ah, la balle, elle est niquée à la Michel. Hein. Ouais. Elle a réglé cette carabine. 204 mètres. Boulot de réglage, de mise en position, de trouver les animaux, en fait, c'est rien. Ce qu'il faut, c'est réussir à placer une bonne balle. Et là, pour le coup, un animal comme ça qui était en déplacement, c'était pas forcément si évident. L'animal est resté sur place, c'est incroyable. Les bands, elles foudroient vraiment ces animaux qui sont énormes. Hein. Incroyable, incroyable quand elles foudroient. Bravo. Merci. Merci la rousse. Tout monter comme le salon, c'est costaud quand même. Faut pas te faire mal. Tu vas bouger. C'est impossible. Mais c'est impossible quoi. Mais t'as vu l'engin. Ce monstre quoi, il est aussi gros que l'autre quoi. Là t'as fait. Hey, t'as fait le tir de ta vie, Michel. Ah, le tir de ma vie. Et sur un gros. Et sur un sanglier, le sanglier de ta vie, pareil. Normalement, on avait dit un sanglier par jour. Tu m'as dit une occasion par jour, ça veut dire un sanglier. Voilà, une occasion. Une occasion, ça veut dire. Et après c'est le tireur qui doit le faire. Hein. Mais on avait dit, là, t'imagines trois Attila, donc un chasseur rêverait un dans une vie, quoi. Et là, je le tire en 2 heures de temps, quoi. Je t'avais dit, hein, tu vas tirer des animaux de 180-200 en plus. Ah ouais, mais ils sont tous à ce poids-là, mais l'autre, il a plus de 100 kilos, et celui-là, j'ai pas pu le bouger là, tout seul, j'ai pas pu le bouger, quoi. Ah, non. Oh, le tir parfait. La balle est rentrée là, sur le flanc gauche de l'animal. Attends, l'animal était comme ça. Et elle a traversé, elle est venue sortir dans l'épaule droite. Je m'étonne qu'il n'a pas été loin. Je le voyais pratiquement le troc arrière. J'avais pas ces quatre solutions, j'avais que cette solution. J'ai tiré très vite en plus. Bon, je savais que j'étais dedans. Il a plongé et puis il a fait 5 mètres en roulard. Et on pensait tout à l'heure avoir tué le plus beau. Et puis finalement, on se demande quel est le plus beau parce que les trois sont magnifiques. Les trois sont magnifiques. Alors, il y en a un qui est fabuleux, mais les deux autres, on a fait trois Attila comme ça une matinée en pleine montagne. Et heureusement que tu m'avais dit que le temps n'était pas formidable pour chasser les grands sangliers, parce que ça aurait été sinon. C'est vraiment un sanglier d'exception, Michel. Les garçons, ça clôture cette journée de chasse ici au Tadjikistan. Michel, je te rends les honneurs pour ce sanglier Van Mansai. Quel animal incroyable. Merci Anto. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.